Ah ouais, je suis avec l'autre handicapé miskine. Genre, il est trop facile à michetonner le mec. Genre, vraiment, c'est trop simple. Tu voudrais que je lui demande combien? 15 000 euros. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle expérience sociale. On se retrouve avec notre actrice que vous avez vue dans la vidéo du fauteuil roulant. Salut, c'est Madame Eluna. Eluna, voilà, c'est ça. Eluna, vous avez son Instagram juste ici. Dans cette vidéo, je vais me faire passer pour une personne vulnérable en fauteuil ou bien aveugle. Et je vais me faire michetonner par Eluna. On va voir est-ce que les gens y réagissent, est-ce qu'ils interviennent. Il y a des très bonnes réactions. Avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Même un gros pouce bleu, c'est super important. Sur ce, très bonne vidéo et à tout de suite. Ah, c'est gentil. Mais je connaissais pas ce café. Mets-toi là tranquille. Merci beaucoup. C'est bon ? C'est gentil. Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, nickel. C'était pas chaud de me pousser jusqu'à ici ? Comment ? Non, ça va, en vrai, c'est cool, t'inquiète. T'as pas trop galéré ? Non, ça va. Ok, cool. Du coup, tu vas prendre quoi ? Je vais prendre un coca. Ah, tu veux prendre un coca ? Bah, moi, je vais prendre un chocolat chaud. C'était comment les cours ? Bah, écoute, un petit peu compliqué parce qu'en ce moment, c'est un peu tendu. J'ai beaucoup d'examens et tout. Et en vrai, tu vois, tout ce qui est le droit et tout, ça commence à être compliqué. Ah, bah, t'embête pas, c'est pas grave. Franchement, prends le temps pour réviser, c'est le plus important. Y a autre chose que tu voulais me dire ? Ouais, peut-être qu'on va devoir repousser tous nos projets. Tout ce qui est mariage et tout. Attends, comment ça, tu veux repousser le mariage ? Ça fait un moment qu'on planifie ça et vraiment j'ai hâte que ça arrive, mais ça va pas être possible. Écoute, c'est compliqué à t'en parler, mais en gros ce qui se passe c'est que moi j'ai ma meilleure pote qui a des gros problèmes. Mais si t'as des problèmes avec ta meilleure amie, t'aurais pu m'en parler. T'es en train de me dire que ta meilleure pote est en train de mourir, c'est ça ? Il va falloir que je m'occupe de financièrement de payer tout ce qui est toutes ces opérations et tout ce qui va tous ces soins et tout. Et malheureusement, tout ce que j'avais mis de côté pour nous, je vais devoir l'utiliser pour elle. Attends, t'es en train de me dire que tu as tout claqué dans l'opération ? Ouais, mais je vois pas pourquoi tu le prends comme ça en fait. Bah écoute, je suis désolé si tu l'as mal pris, je voulais pas. Mais non, mais c'est même pas que je le prends mal en fait. Je sais pas, tu peux pas m'aider ? T'as besoin d'argent, c'est ça, pour ta meilleure pote ? Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est que je ferai un crédit à la banque et on garde le projet du mariage. Pour ta meilleure amie, je peux payer l'opération. Attends, je crois que j'ai oublié un truc. La voiture, elle était garée juste là-bas. Attends, je vais chercher un truc, je reviens. Ouais, ok, ça marche. Désolé, hein, j'arrive tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bon, je vais aller chercher le chéquier et je vais aller voir ma banque. Oui, tu vas bien ? Ouais, je suis avec l'autre handicapé miskine. Ouais, la honte. Non mais la honte et tout, genre je marche avec lui et tout, les gens ils me regardent trop mal et tout, genre je me sens grave gênée. Ouais. J'ai inventé une excuse trop nulle et tout, j'ai dit comme quoi, oui ma meilleure amie et tout, elle a des gros problèmes de santé, tout ça. Non mais ouais, j'ai raconté des dingueries et tout. Genre il est trop facile à michetonner le mec, genre vraiment c'est trop simple. Mais tu sais, genre vraiment j'en ai trop marre, bébé, genre vraiment il faut que tu me comprennes, genre. Je suis là, je me balade avec lui et tout. En plus, il est lourd, faut que je le pousse et tout. Genre, la honte et tout. Genre, en plus, ça se voit, il est grave débile et tout. Genre, tu sais, enfin, fréquenter un handicapé, je sais pas si tu te rends compte. Genre, la honte et tout. Genre, ouais, non, mais c'est une dinguerie, hein. Tu voudrais que je lui demande combien ? 15 000 euros. C'est énorme. Bah, écoute, je pense que je peux pas les avoir tout de suite et tout, mais en un mois, genre, je peux voir pour les avoir et tout. Ok, bah, écoute. Je t'aime de tout mon cœur et puis je te fais des bisous. Hein. Salut. Je pense qu'il va pas tarder à revenir et tout. Donc on se tient au courant pour les sous. Et puis je te fais des bisous et puis je t'aime de tout mon cœur. Mais oui, mais de toute façon, c'est toi l'homme de ma vie. Je m'arrête pas avec lui, miskine, la honte et tout. Tu me vois avec un handicapé ? Vas-y, bisous. Ouais, moi je t'aime de tout mon cœur et tout. Et puis là, il revient. Normalement, je devrais récupérer le premier chèque. Bisous, je t'aime. Excuse-moi. Oui, je vous écoute. J'ai écouté ta discussion depuis tout à l'heure. Je veux pas m'immiscer dans ta vie, mais je trouve que ton comportement et ce que tu dis et ce que tu fais, c'est... Ah, mais je vous arrête tout de suite, en fait. Genre, je vois pas pourquoi vous voulez voir. Faut vous mêler de ma vie alors que je vous connais pas. Parler de votre copain de manière très désagréable. Mais en fait, je vous ai rien demandé. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, c'est de l'escroquerie. Genre, je vous ai rien demandé du tout, donc mêlez-vous un peu de votre vie. Je suppose que vous avez plein de choses à régler dans votre vie. Et ça ne vous regarde absolument pas en fait. Bah si, ça me regarde parce que quand on parle comme ça d'une personne, c'est pas normal, on est tous pareils. Vous vous pensez, enfin en fait vous vous sentez au-dessus. Mais... Bah bien sûr que je suis supérieure. Mais vous êtes pas supérieure du tout, au contraire. De faire ça, de parler comme ça, de réagir comme ça, c'est très bas. C'est très petit et ça se fait pas. C'est un manque de respect total. Ouais, bah ça doit être ça. Mais mêlez-vous de votre vie hein. C'est n'importe quoi. Ouais bah ouais, peut-être.
Là, je pense qu'il va pas tarder à revenir. Bon, je te laisse. Attends, je bisous. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Je suis revenu. C'était pas trop dur. Bon, moi, je te fais la surprise. J'ai ramené mon chéquier avec moi. C'est vrai? Ouais. T'es vraiment un mec super. Du coup, tu voulais combien? Eh ben, en vrai, je pense qu'il me faudrait, bien 5000 euros en fait. Hein? 5000 euros? C'est un problème? Bah, c'est quand même une grande partie de l'argent du mariage. Écoute, je te fais le chèque et puis j'espère que ta copine va s'en tirer. Ah. Tiens. Merci. T'es un mec super. Toi aussi, t'es une femme vraiment parfaite, super. Et j'espère qu'entre nous, ça va aller de mieux en mieux. Tu voulais commander un coca, tu m'as dit. Ouais. Oh la vache, purée, excuse-moi, il est 17h14, j'avais pas vu l'heure. J'ai un rendez-vous super important, faut que j'aille à la BU, faut que je commence à réviser et tout, donc je pense que je vais devoir te laisser. Ok, bah écoute, révise bien et puis on se voit bientôt, tu me dis. Au revoir. Excuse-moi. Ah, oui. Tu m'as parlé? Ouais. Est-ce que je peux te parler? Oui, dites-moi. Ok. Je veux pas être méchante, mais en fait, quand t'es partie, elle a appelé quelqu'un qui semblait plutôt être une copain. Ok. En vrai, j'ai fait des vocaux, je sais pas s'ils vont s'entendre, mais très clairement... T'es en train de dire que tu nous as enregistrés en train de parler? Oui. Mais t'es une folle? Pourquoi tu fais ça? Non, en vrai, c'est une dinguerie, mec. Parce que... Tu t'enregistres pas... Oui, mais c'est pas la question. Genre, juste là, elle est en train de te couiller, t'as craché des thunes pour absolument rien. Genre, je marche avec lui et tout, les gens, ils m'ont l'air trop mal et tout. Genre, je me sens grave gênée. Ouais. Il est trop facile à michetonner, le mec. Genre, vraiment, c'est trop simple. En fait, je suis désolée de faire ça parce que je sais que ça fait mal au cœur, mais juste, je peux pas cautionner ça. Enfin, non, t'as raison. Franchement, je te remercie. Après, ça va paraître cru ce que je te dis, mais en toute honnêteté, tu mérites mieux. Genre, enfin, je vois dans quelles conditions t'es. Faut pas que tu doutes en fait de qui tu es et de ce que tu peux apporter aux gens. Mais enfin, là, je suis désolée, juste elle te couille et tu vaux 100 fois mieux que cette personne. Mais je crois que j'ai laissé mon porte-monnaie dans ma voiture. Est-ce que ça te dérange de payer pour cette fois ou pas? Bah écoute, je te fais confiance. Prends juste ce qu'il faut pour payer. J'ai vu la liasse que t'as mis dans ta poche en fait. Vous avez trouvé une liasse par terre? Ouais, en fait, désolé, j'ai écouté en fait. Elle a pris de l'argent dans votre porte-monnaie quoi. Je crois qu'on m'appelle, je suis désolée, je regarde. Je comprends pas. Non mais elle vous a pris de l'argent. Oh, c'est de l'abus de faiblesse en fait, ça n'importe quoi hein. Non mais monsieur, elle vous a pris de l'argent. Elle a fait quoi? Non mais je fais quoi là en fait? Excusez-moi. Tu m'as volé de l'argent là. Hein? Je te fous de la gueule du monde en fait. Pas, mais non. Mais non, mais ça se fait pas. Mais ça se fait pas du tout en fait ce que tu fais. Il y a quelqu'un, excusez-moi s'il vous plaît. Vous avez trouvé mon argent? Vous l'avez retrouvé? Il était où? Elle est partie, pourtant j'ai tout fait monsieur, je suis désolée. J'ai plus d'argent pour le mois alors. Vous voulez qu'on appelle la police? Elle est facilement reconnaissable, on peut appeler la police là. S'il vous plaît. Ah, oui. Bonjour. Oui, bon, j'ai écouté votre conversation, c'était un peu... Je vous entends un peu mal, attendez. Je suis un peu confus, désolé, vous vouliez me dire exactement? Qu'elle vous demandait un peu de l'argent, que... Ah oui, c'est normal, c'est que c'est sa meilleure amie, elle est sur le point de crever, donc... Oui, mais il y a des assurances pour ça, il y a des trucs qui sont pris en charge et tout, et je pense pas non plus qu'elle ait besoin de ton argent. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'assurance pour ce genre de maladie. Tu sais ce que c'est? Non, mais c'est un truc un peu compliqué, elle m'a dit. Ouais, bah je me renseignerai à ta place après. C'est toi qui vois. Et tu m'as dit qu'elle m'a manqué de respect, comment ça? Bah qu'elle a appelé une copine et qu'elle a dû te pousser en fauteuil et qu'elle te demande des sous, quoi. Bon, je suis revenu. Et j'ai une petite surprise pour toi, j'ai pris mon chéquier, j'ai appelé ma banque et... Ah, c'est quelqu'un de super vraiment. Oula, attention. Et pour le prêt, il n'y a aucun souci. Ok, oh bah c'est super alors. On va pouvoir emprunter les 10 000 euros, je les ai demain sur mon compte. Ce sera 15 000 euros par contre. Ouais. 15 000? Ouais. Pourquoi, c'est un problème? Tu m'avais pas dit, mais ouais... Si j'ai dit 15 000, c'est peut-être que t'as mal entendu, mais c'est pas grave. Ouais, je vais rappeler ma banque, il n'y a pas de souci. Je te fais un chèque pour l'instant? Ouais, bah écoute, dépêche-toi. Allez, purée, j'ai pas ton temps là. Non, mais t'énerve pas. Non, je m'énerve pas. Je vais signer et... Excuse-moi, je peux pas te laisser faire ça. Non, mais c'est quoi ce bordel en fait? Mais t'as déchiré le chèque? Mais excusez-moi, mais c'est une dinguerie là. Oh, allô.
Attends, laisse-la parler. Mais vous me rendez fou en fait, mes frères, mais tu veux l'écouter? Bah vas-y, bah écoute-la, mais moi je vous écoute pas en fait. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais écoute-moi, elle se fout de ta gueule, elle te prend pour un con, elle était au téléphone avec son mec disant que des trucs méchants. C'est pas possible. Je te jure que si. Vraiment. Mais vraiment, c'est pas une blague. Mais est-ce que elle t'escroque de l'argent. Elle se fout de ta gueule, elle parle de toi, mais de façon mais qui se fait pas du tout. Enfin, je sais pas, c'était ta meuf, non? On avait pour projet de se marier et... Mais oui, mais non, mais surtout pas. T'es en train de me dire qu'elle est en train de profiter de moi? Oui, elle profite de toi. Pourquoi? Elle te ment, c'est de l'escroquerie. Mais c'est pas possible, ça fait 2 ans que comme un con, je perds mon temps avec cette personne. Et au final, elle était juste là pour sortir de l'argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah je te remercie, tu t'appelles comment? Céline. Merci beaucoup, franchement, je te suis vraiment reconnaissant de m'avoir ouvert les yeux sur cette situation. Bah de rien, c'est normal, au bout d'un moment, je peux pas supporter ça. Céline, je voulais te dire une chose aussi, si je peux te dire de regarder ce stylo, et regarder juste derrière ce stylo, qu'est-ce que tu vois? Une caméra. Ouais, c'était juste... Mais non. Si, c'était une caméra cachée, je pense que tu vois la caméra. Mais non. Et je suis pas vraiment en fauteuil, tu vois, je suis pas vraiment handicapé. Oh, et mais non. Elle t'est bien cachée, non? Ouais, t'es bien cachée, ouais. Ok. Et en gros, on voulait voir est-ce que les gens ils allaient réagir ou pas en train de voir une situation de tromperie comme ça. Ok. Et bah voilà. En plus, t'as eu l'idée d'enregistrer. L'équipe, elle a enregistré la conversation pour me prouver que c'était vrai. Parce qu'il faut, pas appeler la police parce que tout ça, c'était juste une caméra cachée, c'était une expérience sociale. Waouh, ok, j'étais en train de commencer à pleurer là. Et du coup, okay. Bah, tenez, ça c'est pour payer votre merci, votre c'est café. Gentil, merci. Waouh, wow. Bah, c'est sympa. J'ai trop peur. Non, vous inquiétez pas, c'était... Du coup, l'équipe à cash, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à liker, à vous abonner. C'est la même chose, les pouces bleus et les likes, donc faites-le. Et franchement, la vidéo, moi, elle m'a fait grave plaisir parce que il y avait beaucoup de gens qui ont réagi. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas trop de gars qui ont réagi, surtout des filles. Mais c'est bien aussi, tu vois, ça prouve que ça prouve pas mal de choses quand même. Dites-moi ce que ça prouve en commentaire, je vous laisse me dire ça. Mettez la cloche des notifications parce qu'on se retrouve très très bientôt. Plus bientôt que vous le pensez, parce que c'est pas français cette phrase, mais on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo et même dans une nouvelle expérience sociale.